vous écrivez pas de le plus égal basique input output système. Voilà. La signification de l'eau, c'est un ensemble de routines ou de programmes qui permettent à un microprocesseur de gérer ou là d'exploiter, de gérer ou d'exploiter les périphériques systèmes. Avec les périphériques systèmes, nous avons tous les composants qui forment votre PC. Tous les composants qui forment votre PC, ils sont les périphériques système. Clavier, souris, écran, carte graphique, carte son, ils sont les périphériques. Donc, nécessairement, le microprocesseur, pour aller les côtoyer ou les ordonner, ou là, il faut un petit programme. Voilà le petit programme qu'on va trouver certainement dans le basic input-output système. Voilà, donc, ça signifie que le BIOS est unique. Le BIOS est unique à chaque machine. À chaque PC. Maintenant, ne pensez pas que vous allez changer le BIOS d'une machine à une autre. Parce que certainement, elle explique une machine bien déterminée. Elle caractérise une machine bien déterminée. Maintenant, un BIOS P4, est-ce qu'il est compatible avec un BIOS de P3? Non. Les routines ne sont pas les mêmes. Maintenant, si on schématise le BIOS, on le schématise comme une mémoire. Un BIOS est organisé comme une mémoire, c'est un bâtiment. On fait donc des étages de mémoire. Ça, la mémoire terrestre, c'est une mémoire morte. L'éditeur morte, c'était Bekiri. L'éditeur morte, c'était Bekiri. Le portable, la mémoire morte. Bekiri. Et maintenant, nous avons une autre technique qui s'appelle la mémoire flashable. Donc, ce n'est pas une mémoire morte, flashable. Flashable, maintenant, on peut l'effacer comme on peut la réécrire selon les besoins. Pour la technique de flashage, on va la voir faire un cours de flashage. Mais il y a en principe, chaque BIOS est constitué de trois parties. La première partie se moha boot block, la deuxième partie se moha CMOS setup. On va dire tout là les routines. Alors, on a les trois parties d'un BIOS. Bien sûr, le boot block, c'est ce que vous voyez à l'affichage au début. Donc, au début, il s'affiche. Au début, il s'affiche. Sa capacité, elle vaut là, c'est 8 kilo-octets. 8 kilo-octets. Le CMOS setup fait 128 octets. Pour les routines, c'est le reste. Ou pour les routines, nous avons entre 128 kilo-octets jusqu'à 512 kilo-octets. Ou maintenant, nous allons vers 1 méga-octet. Tout ça, c'est une mémoire flashable. Donc on peut écrire et effacer. Voilà, on a les trois blocs d'un BIOS. Nous allons aborder, chez les routines, parce que les routines, c'est des petits programmes. Une routine égale un petit programme. Code machine, c'est un binaire. Qui permet au CPU d'exploiter un périphérique quelconque.
Donc la routine, c'est un petit programme que le microprocesseur exécute pour faire tourner telle ou telle chose. Donc, qui met le lecteur disquette dans la routine Théo. La routine Théo explique que le lecteur de disquette a un moteur, il a une tête de lecture, il lit des tracks. Des tracks, c'est des pistes. D'accord? Donc, la technique Théo, comment il fonctionne, la technique est expliquée sous forme d'une routine. Pour être la routine, dès qu'on a besoin d'une disquette, on fait appel. On a avec une interruption soft. La routine, dès que le microprocesseur commence à l'exécuter, et à ce moment-là, il va ordonner la disquette. Ça, vous allez retenir le cours de la configuration CMOS, que là on va aborder, nous allons aborder le bloc CMOS setup de différentes marques, à savoir AMI, Award, les onglets du AMI. Je vais à peu près l'effet de cette configuration sur la vitesse, sur le comportement de la machine en général. Okay. Alors, lorsqu'on prend un BIOS qui m'a là, nous avons un menu. Ça, c'est ça. Ademais, les onglets d'un BIOS. On va les citer rapidement parce que tu m'as dit que tu manques, mais sinon tu as dit que tu manques, de préférence. Alors, quel est le standard CMOS setup? Alors, le standard CMOS setup permet de configurer. Donc, standard CMOS setup permet de configurer la date, l'heure, les références dans les disques durs et les CD-ROM, le lecteur de disquette et le type de l'écran. Donc, dire standard CMOS setup, entre parenthèses, c'est vos dates, heures, les disques, le FDD et le VGA à l'écran. HDD, FDD et écran, moniteur. Deuxièmement, Advanced Setup. Alors, cet onglet permet de configurer tout ce qui est proche au microprocesseur. Les caches L1, L2, le board de l'antivirus, la technologie de disque dur, tous les éléments de la vitesse, on les trouve ici. Donc, on a en parenthèse. Là, ça concerne la vitesse. Maintenant, si vous voulez exploiter beaucoup plus de vitesse, il faut aller dans Advanced CMOS Setup. On va dire Power Management, c'est pour les énergies. Pour l'énergie, maintenant, la consommation, qui compte dans l'ordinateur cher ou dans le marché. Est-ce qu'il te fallait quand même être fâche? Est-ce que le disque dur continue à fonctionner? Ainsi de suite. Là, c'est mon Power Management. Quatrième onglet, les PCI Plug and Play Setup, ça concerne la technologie PCI. Toutes les technologies PCI sont configurées ici. Qu'ils soient carte graphique, ou là l'USB, ou là les buffers de la PCI, ainsi de suite. Donc, il y a un truc qu'il faut savoir le configurer. Alors, les deux options, Loud Optimal ou Loud Best Performance, ça concerne, les deux onglets concernent les néophytes de l'informatique, les gens qui ne savent pas configurer un BIOS, ils ne peuvent pas aller ailleurs parce qu'ils ne savent pas. Ils choisissent entre l'option optimale et l'option best performance. Donc, à demain pour les néophytes. Nassim Adarj. Feature setup, là, ça concerne la configuration matérielle des périphériques. Voilà, là, c'est pour configurer le matériel. Le matériel, toutes les fonctions intégrées sont déclarées ou désactivées, activées ou désactivées ici. Comme vous pouvez avoir le
les nouveautés des technologies. Avec un USB, il est là, ainsi de suite. Donc là, c'est pour activer ou désactiver les fonctions ou les périphériques de votre machine. Bah, du CPU plug and play, CPU plug and play, ça concerne la fréquence interne et externe de votre microprocesseur. Donc là, d'ailleurs, microprocess. Là, les trucs comme c'est à ce niveau-là qu'on fait généralement des configurations d'overclockés. C'est à ce niveau-là, à cette étape-là, qu'on fait les configurations d'overclock. Hardware monitor, ça affiche uniquement les informations qui concernent les températures et les ventilateurs. Maintenant, le microprocesseur, il est à quelle température son ventilateur, est-ce qu'il tourne ou là, ainsi de suite. Y compris, les tensions de polarisation, elles sont toutes déclarées ici. Le monitor hardware. Change password, c'est pour accéder à un mot de passe, vous voulez mettre un mot de passe, vous pouvez le mettre là, vous voulez le changer, ou là, vous pouvez sortir avec sauvegarde. Là, c'est la sortie. La sortie avec sauvegarde. Donc, là, les onglets de AMI Award, simple. Ah, c'est inscrit là. AMI simple. Qui est légal, il est AMI légal. Ou qu'on a légal. Maintenant, c'est le BIOS qui ressemble à Phoenix et à Award, surtout sur tous les organigrammes de dépannage. Oui. Hardware, monitor, là, ça affiche, c'est un onglet qui affiche pas des informations qui concernent l'état de votre microprocesseur sur le plan échauffement, sur le plan ventilation, la polarité telle bus de données, la polarité TAO, la polarité de l'alimentation, est-ce qu'elle est bonne là? Là, c'est juste une information. Très bien, on va commencer étape par étape par regarder le premier onglet. On va vérifier Berk Schmetta standard. Alors, je fais entrer Berk juste pour accéder au standard. Et on voit ici que standard permet de configurer la date, l'heure, les disques durs. Nous avons 4 disques durs là. Bien sûr, on ne voit rien pour le moment. Il n'y a aucun disque qui est en place parce que nous avons mis le Kharijem en automatique. Mais on aurait dû rechercher le CD-ROM et les disques durs s'ils sont là. Alors, si vous voulez rechercher les disques durs et les CD-ROM, il ne suffit pas d'appuyer sur la touche F3. Alors, si vous faites F3 dans l'AMI Simple, vous allez accéder aux différents périphériques qui sont installés sur cette machine. Commençons par User 15 giga 29065 cylinder 16 têtes 63-14 qui donne par histoire de multiplication. Donc si vous multipliez avec la Yabinacrom qui multiplie 512, vous allez trouver la capacité de 15 giga. Et nous avons le CD-ROM, c'est pas un size, le CD-ROM c'est un lecteur qui travaille avec une programmation input-output avec une vitesse de 4, le mode 4. Et 32 bits off normalement, mais push on. Je ne sais pas, le sur on, on ne le voit pas parce que elle est ici. Mais généralement, le CD-ROM, il faut le mettre en position off 32 bits parce que le CD-ROM caméra il est à 16 bits. En bas, le second master, le secondary slave, ils ne sont pas installés, not installed. En bas, on vient là, les deux lecteurs de disquette. Nous avons un lecteur de disquette de 1,44 et le B n'est pas présent. Et voilà. On termine avec la première page, il y a le standard CMOS. Nous avons vu les black couches F3, vous pouvez accéder au disque dur CD-ROM. On va faire échappe et nous passons à cette setup. Ça concerne toutes les petites choses qui concernent la vitesse. Là, on va voir, ça concerne la vitesse de votre système. Les éléments de la vitesse ils sont placés ici. Allez, je vais pas les voir d'ailleurs. Vous devez étape par étape à regarder chez vous les éléments de la vitesse. Alors, première des choses, Trend Chip Away Virus. Allez, c'est moi le garde. Le gardien contre le virus. Donc, je vous conseille, c'est une option que vous pouvez l'activer que lorsque Windows est installé.
si Windows n'est pas encore installé, je vous conseille de ne pas l'activer parce qu'elle va vous gêner pendant l'installation de Windows. Donc, هذا اسمه le guard. Activez-le lorsque le Windows est déjà mis en place. Share memory size. Share memory size, ça dit ça concerne la fonction graphique. Vous prenez share, mais tu as partagé. Donc, c'est la fonction graphique. Est configurée à une vidéo mémoire VRAM. Sa VRAM est configurée à 16. Elle est configurée à 16 mégabytes. En anglais, maintenant, octets en français. On va first boot, second boot, third boot, other boot, trip other boot. Ça concerne la priorité sur le plan du boot. Maintenant, pour passer dans un système d'exploitation, où je noue le premier boot, le second boot, le troisième boot. Généralement, à l'extérieur de toujours utiliser la technique. Mettez le CD-ROM ou le first boot. Dire le ID0 le second boot. On va dire le floppy le dernier. Ok? Floppy avec un seul, deux bits. Voilà, vous pouvez laisser yes. Donc, il y a la technique pour avoir toujours un accès à la fois au CD-ROM et à la fois au disque dur. Donc je vais mettre là, je vais changer mon audio CDR. Ou le second, je vais le changer en ID0. Voilà. Ou le troisième, je vais changer en floppy. Ou bien je laisserai toujours là, three other boot devices. Zero yes. Maintenant, s'il n'y a pas de boot sur CDR, s'il n'y a pas un boot sur disque dur, s'il n'y a pas un boot sur floppy, on va regarder ailleurs. Comme ça peut être un disque flash, comme ça peut être le réseau, comme ça peut être un disque dur SCSC, ainsi de suite. Et puis je mets three other boot devices. Smart for hard disk. هذه هي التكنولوجيا تاع لي ديسك رابيد. Tous les disques rapides, il faut les mentionner, configurer les en smart for hard disk. احنا نديرو enable مي بعدا on va voir est-ce que Windows accepte ou le système accepte au démarrage cette option. احنا on est obligé de la mettre en enabled. D'accord? Alors boot up numlock, هذه ça concerne le pavé numérique تاع clavier. Le pavé numérique Hadaya, à l'allumage de votre PC, est-ce que vous voulez que la LED derrière s'alimente et vous aurez carrément un pavé numérique maintenant pour les chiffres et non pas pour les flèches ou les directions. Donc si vous le mettez on, il va s'alimenter. Si vous le mettez off, il va s'éteindre. But floppy drive sweep. Sweep Hadaya, c'est une technique qui concerne deux lecteurs de disques. Deux FDD. Si vous avez deux lecteurs de disquettes et vous voulez que l'un échappe à l'erreur de l'autre, de LED pendant son erreur, on a dit le sweep on. Maintenant, si vous mettez une disquette dans A ou l'A, il n'arrive pas à la lire, il va vous la demander de la mettre sur B. C'est le sweep. Les deux lecteurs sont traités. Pour éviter pas qu'avec l'erreur de lecture sur disquette. Mais sinon, si vous avez un seul lecteur, attention, il ne faut pas l'activer en on parce que vous allez créer bien un problème virtuel. D'accord.
Donc, il y a le switch, il faut toujours le désactiver lorsqu'il s'agit d'un seul lecteur de disque. Il faut l'activer quand est-ce lorsque vous avez deux lecteurs de disque. But floppy drive SICK. Le floppy drive SICK, ça concerne le moteur du lecteur de disquette. Au démarrage, est-ce que vous voulez envoyer le moteur de la tête? Le moteur de la tête, c'est le moteur qui va transporter la tête le long du trajet de Ha pour vérifier Bark, si elle est la présente. Okay. Donc, le SICK, il permet d'entendre au début un bruit de RIR. Okay. D'une part, il y a une utilité pour les lecteurs de disquettes qui ne sont pas souvent utilisés pour nettoyer des PS2 mouse support. Regardez, la PS2, maintenant la souris d'IBM. Mouse, c'est la souris, le support de la souris d'IBM. Est-ce qu'il est activé ou non? Maintenant, il faut l'activer tant que vous utilisez une souris PS2. Maintenant, par exemple, dans la seule machine, j'utilise une souris standard. Donc, carrément, je peux la désactiver. Parce que sachant que lorsqu'elle est activée pour rien, j'aurai une interruption qui se mettra la ILK12. Elle est gratuitement prise par le système. Elle est gratuitement consommée. Gratuitement. Elle n'est pas utilisée. Ou l'ILK12TI, il est pris par erreur, par un périph qui n'existe pas. Alors qu'un impossible ne sera pas lié pour installer Bada une carte de fonction autre, une carte de capture, etc. Donc, on a une souris standard. Pourquoi ne pas aller la désactiver? Alors, je vais la désactiver. Tabulation. Bien sûr, il y a les flèches pour descendre et monter. Ou il y a page down, page up pour changer les valeurs. Password check. Password, ça concerne le mot de passe que vous avez vu. On peut le programmer. Le mot de passe avec, on peut le programmer. Et à partir de là, on va décider. Est-ce que le mot de passe, on va l'utiliser pour accéder à Windows ou pour accéder au BIOS? Là, c'est à vous de choisir. Alors, je vous conseille de le mettre sur Setup, maintenant sur BIOS, sur CMOS BIOS. Mais dire Always, Always, maintenant, ça concerne tous les chemins. Donc, il peut vous le demander même en passant à Windows. Boot to OS 64 MB. Là, ça concerne les serveurs. Lorsque vous utilisez un petit serveur dans un cyber ou dans une entreprise, ou le serveur c'est un PC, vous pouvez activer Hadia, l'activer maintenant Yes. Maintenant, est-ce que le système TAC, lorsqu'il boot sur un OS2, maintenant c'est un serveur, est-ce que vous voulez que la mémoire supérieure à 64 mégas soit librement utilisée par les autres PC, parce que c'est un serveur? Voilà, c'est ce que je vais te dire. Maintenant, inférieur à 64 mégas, ça concerne le PC, le serveur. Mais supérieur, on peut dédier cette mémoire aux ordinateurs qui se trouvent dans le réseau. Donc, allez, c'est à vous de voir. Laisse donner un nom là, parce que nous avons un système non OS2. Nous n'avons pas un serveur. Nous avons un XP FAT simple. Donc, c'est pas, ça ne convient pas. Mais si vous voulez accélérer votre serveur vis-à-vis du client, vous pouvez activer un OS. Là, vous allez donner plus de travail aux autres. Internal cache, ça concerne la mémoire cache L1. Si elle est activée, maintenant, le microprocesseur travaille avec des buffers internes de l'ordre de 32 kg, ou la 64 kg, ou la 128 kg. Je suis là, l'AMD, je crois, l'Atlan mobile, pour les portables, qui travaille avec 128 kg octets. Système BIOS cachable, là, il y a. Signifie que votre BIOS, lorsqu'il est chargé en mémoire, est-ce que vous voulez que ce BIOS soit aussi en même temps sauvegardé dans un espace cache L2? D'ailleurs, c'est au niveau de la L2. Et bien sûr, si vous activez l'idée, si vous la mettez en enable, vous allez accélérer vos routines. Les routines, elles vont être beaucoup plus proches de votre microprocesseur. Oui, l'exécution de ces routines donne une rapidité auprès des périphériques. Donc, si vous voulez, on va l'activer pour juste donner une accélération meilleure. Case latency, ça concerne le rafraîchissement par colonne. Donc, c'est pour rafraîchissement par colonne de la RAM. Là, on donne 3 temps, maintenant, au bout de 3 temps, le rafraîchissement il doit s'effectuer. Donc,
Donc, si vous lisez, par exemple, une donnée, une fois, après le troisième temps de lecture, il faut la rafraîchir. Parce que certainement, elle va tomber. Elle va tomber. Elle va perdre son équilibre. Voilà. Havlik, le deuxième volet. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il n'y a pas une question pour passer à... Allez-y, allez-y. Hein? Allez, nous faire une petite discussion. Est-ce que c'est clair? En trois temps. Hein. Le troisième temps est consacré au rafraîchissement. Deux temps pour la lecture, puis le troisième, il est dédié au rafraîchissement. Rafraîchissement de la mémoire, je m'attends à rafraîchissement de la mémoire, maintenant une réécriture. Deux temps moins rapide, oui. Parce qu'il est obligé de faire une lecture, une première lecture, mais la deuxième, ça ne va pas être une lecture, une réécriture. Maintenant, il va perdre du temps pour la marche. C'est une perte de temps, oui. La Vendée, c'est Stelvius Kachab, oui. Tu m'entends? Il partage la L2. La L2 abrite le BIOS. La cache L2, qui est une mémoire intermédiaire entre la RAM et le microprocesseur, dorénavant, elle doit abriter le BIOS. Le BIOS, maintenant, les routines. Et le routine. C'est la L2, Yurso. La performance de la L2, Yurso. Parce que ça va engouffrer la L2 pour les transactions de données. Mais sinon, pour les routines, ça va accélérer les routines. Parce qu'on aura des routines proches du microprocesseur, oui. Deuxième, share memory size. Elle est faite avec une fonction graphique intégrée automatiquement. La vidéo est partagée, la mémoire vidéo est partagée avec la mémoire système. Quitter une carte graphique automatiquement, elle va être carrément désactivée. Vous n'allez pas la voir. Hein. Mais elle est faite avec une fonction graphique. Là, il faut décider quelle est la capacité de la mémoire verte. Maintenant, c'est à vous de choisir. Là, on a choisi 16 mégas par rapport à la mémoire que nous avons à l'intérieur, parce que nous avons une mémoire de 96 mégas. 96 mégas, c'est pas suffisant. Le LSS, ça reste combien? Même pas à 70. 70 mégas, 70 mégas pour LXP, titanium, vous allez voir que c'est pas le paradis. Hein. Voilà, bien comme la mémoire vidéo, vous pouvez augmenter. Hein. On n'a pas fait un test, mais vous pouvez changer. Voilà, on va changer, regardez. Je change et je peux aller au maximum à 32. La carte mère, elle me propose un share memory de 32 mégas. Il a 64. Bah, vous voulez 64. C'est clair? Est-ce qu'il n'y a pas une autre question? On peut passer le troisième onglet échappe et nous allons passer le power management. Le power management, ça concerne l'idée de l'énergie, comment conserver l'énergie de votre système afin que la facture personnelle le gaz ne soit pas chère. Imaginez un ordinateur qui est alimenté le jour ou la journée de 8 heures, il va consommer. Pour minimiser cette consommation, on a le droit d'utiliser le panneau afin de configurer le timing. On va mettre des temps, des timings. Oui, à un moment donné, on dit à notre microprocesseur, arrête-toi, ou à notre procédure de s'arrêter afin d'éviter de consommer de l'énergie gratuitement. C'est juste lorsqu'on ne travaille pas sur le marché, parce que on ne travaille pas toujours 8 heures. De temps en temps, nous avons des pauses café, nous avons des temps où on fait notre prière, ou là, à ce moment-là, le microprocesseur il va se rendre. Voilà, c'est le mot de veille. Voilà, c'est ce qu'on appelle le mot de veille. Mais alors, nous sommes comme, ce n'est pas la peine de configurer le compteur d'oreille. Configurez le Windows, parce que le Windows il a sa propre manière de configurer le veille. Faites-le, ou essayez de ne pas le toucher. Sauf si vous avez une histoire de RTC, il y a quelque chose, RTC Alarm Power On, RTC Alarm Power On. Lorsque vous avez un ordinateur qui est éteint et que vous voulez à distance l'alimenter, à distance, vous êtes loin, vous êtes sur Oran et vous voulez l'alimenter sur Alger, afin de tirer un document. D'ailleurs, vous pouvez utiliser le moyen RTC pour allumer à distance votre PC et absorber un fichier à partir de ce local. Maintenant, vous pouvez l'activer. Allez, pardon. Qui est activé ou enabled, classe.
il vous donne, بعد يعطيكم ابري لو جور وقيلا لا دات لور لي مينيتي سي فوالا بصح في الموا في الموا في الموا راكم فيها vous ne pouvez pas le programmer sur l'année non في الموا parce qu'il dit le 15 معناتها le 15 octobre وانا لو اتل اتل تبروغراميه باش ينوض d'accord تبروغراميه باش ينوض علاش parce que avec le moment tu vas envoyer le RTC la ligne téléphonique une demande c'est un modem c'est bon allez on va voir PC plug and play PC plug and play comme ça c'est des options qui concernent la technologie PC et non pas AGP ou le PC c'est un périphérique universel qui prend en charge toutes les cartes du monde qu'il soit carte graphique ou la carte son, la carte réseau, la carte moderne ou la carte satellitaire ou la carte USB toutes les cartes du monde peuvent monter sur le PCI ou en ailleurs nous avons une configuration à faire plug and play our OS alors en ailleurs qui est la technologie c'est plug and play généralement la technologie il y a c'est elle qui aide votre Windows à capter les nouveaux périphériques ça c'est ça donc si vous pouvez bien la configurer en ailleurs, elle va certainement vous aider. Regardez, parce que nous avons OS. OS, on a blessé un système de serveur. Alors, est-ce que vous voulez activer plus OS, le plug and play? Comme nous avons un système non OS, donc on a dit non. Ça veut dire qu'on a un demi-serveur, on dit yes. Maintenant, Primary Graphics Adapter, votre carte graphique. Est-ce que c'est une carte, parce qu'il y a une fonction, hein? C'est une fonction graphique. Est-ce que c'est une PCI ou les Hajabra? Là, c'est à vous de voir. Généralement, lorsque vous trouvez une carte mère P3 et vous voyez une option, un choix entre PCI et AGP, prenez le AGP. Prenez le AGP. Parce que c'est une fonction intégrée dans Chipset Master qui bénéficie de la même technologie AGP destinée pour les Pentium 3. Parce que l'AGP, c'est un port qui existe à partir du P3. Et comme nous avons la possibilité de mettre AGP, pourquoi ne pas mettre AGP? AGP, maintenant, c'est la technologie la plus meilleure pour les cartes graphiques. Ou là, les fonctions graphiques. Tu regardes les P3 avec AGP? Non, même il y a AGP. Ah. Ça, la fonction graphique est intégrée dans Chipset Master avec une technologie AGP. Maintenant, le bus de données est à 64 bits ou la fréquence du bus, 66 MHz. Allocate it to PC VGM, c'est comme là, dire toujours no. Parce que comme la carte graphique ou la fonction graphique travaille avec le microprocesseur avec une demande d'interruption, interrupt request, ismoha, if-this. Généralement, lorsqu'on attribue une interruption à notre carte graphique, c'est comme si on est en train de lui demander, d'aller demander permission à notre microprocesseur, chaque fois. Parce qu'elle devrait demander permission, mais j'ai appelé là. La permission, j'appellerai le paquet. Je préfère m'appeler la chaîne d'interruption. Agda, elle va être prise en charge par le microprocesseur automatiquement. Sans passer par l'idée de la priorité. C'est bon? Donc, on va mettre non. Réserve de mémoire. Il n'y a franchement aucune idée. Aucune idée. Elle dit c'est une mémoire réservée, je crois, dans la RAM. Elle est réservée pour tout ce qui est PC. Peut-être pour ces informations-là, ainsi de suite. Mais si vous avez réservé, je vous conseille de la désactiver. Parce qu'on risque d'avoir peut-être des transactions malhonnêtes qui vont se passer entre notre microprocesseur et un autre microprocesseur qui se trouve au bout du monde. D'accord? Ça échappe. On va voir. Alors, qu'est-ce qui est réservé de mémoire, à quelle adresse parfois? Lorsque vous voulez réserver, quelle est l'adresse? Donc, pour combler, on ne va pas les voir. Loud Optima, c'est pour les néophytes. On va passer directement aux features. Features, ça concerne les périphériques. Là, tu vois, comment les périphériques sont disponibles ici dans le BIOS afin de décider si on les active ou là on les désactive. Après que je m'entends activer maintenant. Mettre en marche. Désactiver. Mettre en sommeil. Le BIOS, il intervient sur le plan hard. Par exemple, si vous prenez une carte mère, vous avez une fonction sonore
activé ici. Si vous allez à la carte mère à chaud et vous testez son chip sound, vous allez le trouver chaud, échauffé, parce qu'il est en train de fonctionner. Si vous le désactivez ici et vous allumez votre PC et vous allez vers le son, vous allez le trouver froid. Signifie quoi? Signifie que votre biosada intervient réellement, physiquement, pour activer ou désactiver le matériel lui-même. Oui. Je parle de l'USB. L'USB est désactivé. Installé Windows, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ou il y a des choses qui sont désinstallées, Windows, il ne va pas la connaître. Clairement. On ne sait pas. Activez tout. Mais on ne va pas les citer, mais on va les activer. On va les désactiver. On va les onboard FDC. Rapidement. Onboard FDC. Activez le ETU. هذا راه نكتيفي لو ايتيو شحالو ايتيو تاع لا كارت مال كونترولور ويبيت اون بورد سيريال بورت هاب سا اكتيف كوا سا اكتيف اون دي بارتي تاع الايتيو اللي تكونترولي ليكتور لو لا سوري ستاندار اون بورد انفراروج كيف انفراروج اون بورد بارال بورت كونترولور ايتيو ويبيت لو مود qui l'activer, ouais, on va donner le mode EPP, ECP, là c'est les modes de vitesse, bidirectionnel ou unidirectionnel. Tu vas dire EPP, ECP, tu as les deux. Généralement, les ECP, EPP ou SPP, c'est des modes d'impression à une vitesse bien déterminée. Chaque chose a sa propre vitesse. Qui m'a donné les jets d'encre utilise beaucoup plus le EPP. Les matriciels utilisent le ECP ou le SPP, c'est pour les lasers. D'accord. L'interruption de l'imprimante C7 ou DMA, Direct Memory Access, DMA, Direct Memory Access, accès direct en mémoire. La technique elle se trouve dans le chipset slave. Oui, l'imprimante est bombardée d'informations. Elle est bombardée, Direct Memory Access. Maintenant, les informations elles sont bombardées à partir de la mémoire dans l'imprimante. Sans contrôle. Sans contrôle, les corrigés H, sans contrôle. Maintenant, je crois que j'ai pris. Ok, s'il y a une erreur, elle s'imprime. Alors, je mets un direct memory access. Ça permet au périph' lent de devenir rapide. C'est une technique pour accélérer les périph' lents. La RAM vers les ports. La RAM vers les périph'. Onboard PCI IDE, mais ça concerne le contrôleur IDE qui se trouve intégré dans le chipset slave. Est-ce que vous voulez l'activer parce que vous allez racheter les disques durs? Qu'est-ce que c'est? Vous avez des disques durs? Hein? Diamant. Vous avez des disques durs? Non, vous avez des disques durs, vous avez des imprimantes, vous avez des sons. C'est un mode de vitesse. Voilà, vous avez des disques durs. C'est l'ultra diamant. L'ultra, c'est un front montant ou front descendant. Vous avez des memory access. Vous avez un bombardement, vous avez un front montant, front descendant. Vous avez un ultra diamant. Allez, front montant, front descendant. Une horloge, le disque dur travaille deux fois. Une lecture, une écriture. Une lecture, une écriture. Ça, je vais mettre un bot là. L'anglaisien, on a les deux. Parce qu'à la base, comme les disques durs, nous avons deux contrôleurs. Nous avons le canal 1, le canal 2. Ils sont IDE 0 et IDE 1. D'accord? Ou à ma bot, on va les utiliser physiologiquement. Ultra DMA, c'est une façon d'accélérer le transfert des données entre le disque dur et la mémoire, ou l'inverse. Onboard LAN, ça concerne le réseau qui est intégré comme chip sur la carte mère, on peut l'activer avec Enable. USB Function, donc c'est un port USB activé. Et USB Function for DOS, c'est un activé s'il y a un USB sous DOS, un logiciel sous DOS ou là. Voilà, donc à deux moments, les références, etc. Est-ce qu'il n'y a pas une question là? Oui. Est-ce que vous avez un ECP, EPP, SPP? Oui. Et nous sommes les modes de transfert sur les imprimantes. Le plus rapide, c'est SPP. Ils utilisent généralement les lasers. Le EPP qu'on a pour les jets. Donc le ECP, c'est l'ancien mode de transfert
تاع لي زامبريمونت جينيرالمون يستعملوا الماتريسيال الماتريسيال يستعملوا هذا المود اوسي ها on a les modes de les modes de transfert des imprimantes qui est le ECP ou le EPP ou le SPP. SPP معناتها synchronous synchronous pour parallèle synchronous synchronous معناتها en fonction de la demande يمدلو EPP enhanced port communication communication port ou le EPP enhanced port parallèle. Non, non, ECP هو القديم كاع هو الضعيف. الاس بي بي هو لاسر ويجي دونك او بي بي. تلك فو بوفي استعملوهم كيما تحبوا. صادر اون لاسر اس تمشي في الاو سي بي. وي تمشي تمشي بصح تمشي لونت فهمتوا هذا ما كان. تسمى هاد لي مود كامل سي دي مود فالابل مانتونون اللي بلي بلابدوم بيان شوازير. نعطيكم مثال في فلاشاج لوسك فو فولي اتيليزي un ordinateur pour flasher des portables téléphoniques ou des démos numériques, on vous exige d'utiliser le port EPP. Le EPP parce que c'est un véritable port parallèle bidirectionnel de communication. EPP. Pour flasher une imprimante, pour flasher un disque, un téléphone portable, là, quel système il faut utiliser le port parallèle? C'est bon? Alors on passe CPE plug and play. CPE plug and play, ça concerne la configuration des microprocesseurs. Et on le voit. On le voit ici. Clairement, les écritures sont plus claires. Donc CPE style. Donc CPU DRAM fréquence. Maintenant, on a un multiplicateur. Voilà, donc on a une relation qui relie les droits. La fréquence interne est égale à la fréquence externe qui multiplie le multiplicateur. D'accord? Il faut qu'on ait ici la fréquence interne. Ou à la FSB. Ou à la le multiplicateur. Donc si vous multipliez 4,5 fois 66, vous allez trouver certainement 300 MHz. Donc on voit que pour notre machine, la configuration est mauvaise. Parce qu'on voit déjà c'est un 633 MHz. Donc on le voit clairement qu'il y a une erreur. Allez, on va monter, on va configurer à 100 MHz et on va donner un multiplicateur de 6,5. On aura 650 MHz. On tombe presque comme la fréquence théo d'origine. C'est bon? Échappe. On va voir maintenant le hardware monitor. Le hardware monitor qui va vous trouver là, c'est un tableau qui récapitule les caractéristiques de votre machine actuellement. Et on le voit ici, le hardware monitor, slot 1, donc un slot 1. Donc tout 34 degrés Celsius, mais je ne sais pas, là je pense que normalement, on a le microprocesseur slot 1, 0. Socket 370, ça concerne le microprocesseur en place, il y a 39 degrés Celsius. Le fan 1 speed 0 rotation per second, 0 tour par minute, c'est vrai, tour par minute. Fan 2 speed 5818 rotation per minute. Hadia, Huna, Hadi, elle est bonne. Mais si vous trouvez 3000, mauvaise, oui. Donc si vous trouvez des rotations à 3000, maintenant le ventilateur tourne mal. Hein. Parce que les meilleures rotations, c'est 4800-5800. C'est la vitesse du ventilateur. Le V-Core, c'est la polarité de votre microprocesseur. Il est alimenté à 1,69 volts. Le bus de données, est alimenté à 1,92 volts. Le VCC3, à 3,3, c'est à l'alimentation, il vaut 3,36. Le VCC, il est à 5 volts, il vaut 5,1 volts. Il y a un plus. Hein. Le 12 volts, il est à 12,4 volts. Maintenant, vous avez 0,4 volts. Ou le standby 5 volts, il est pile à 5,080. Donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a une erreur qui n'est pas grave. Voilà.
هنايا كاين ان بيتي ايرور بصح سي با غراف هادي سا با بيرتيربي بوتيت بوكو بلوس لي موتور باس 12 فولت سي دي تونسيون ديستيني بور لي موتور تري بيان اون ا تيرميني اسك سي كلير تشانج باسورد راح ندخلو هنايا اون با دوني ان موت باس ريغاردي مع اونطري يقول لك انتر نيو باسورد ننصحكم في ليزيكسيس لوكو اتيليزي لو موت باس دو لاني 2005 Vous écrivez 2005, entrée, confirmez-le, 2005, entrée, et vous allez avoir New Password Installed. Là, il est installé le mot de passe 2005. Maintenant, la prochaine fois, si vous voulez accéder au BIOS, il faut taper tout d'abord le mot de passe. Donc, on termine, exit, le exit. Voilà, on va quitter, yes, avec une nouvelle sauvegarde. Je vous rendis un petit exercice autour de ces éléments de vitesse. Alors, vous allez prendre une montre et nous allons compter le temps parcouru par le démarrage de notre PC jusqu'au l'apparition de l'XP, du logo XP. Ça, on constate une chose, mais le système Tana s'est arrêté à cause de cette configuration. Vous êtes d'accord? Nous avons un problème, hein? Nous avons mal configuré notre BIOS. Regardez bien. Donc, ça se voit qu'une mauvaise configuration peut entraîner un système d'arrêt non affichage en sonnerie. Si vous êtes d'accord, mettez-le sur le court terme. Donc, une mauvaise configuration peut provoquer un système d'arrêt non affichage en sonnerie. Donc, quelle serait maintenant la solution? On va éteindre. À votre avis. Oui, on a eu un de... Donc nous sommes obligés de clairer le BIOS pour pouvoir reprendre le BIOS. Ou à ce moment-là, on va le reprendre avec justesse. Donc, il faut bien regarder quelle est l'erreur qui a provoqué l'arrêt de la machine. Alors je vais donner un peu de temps d'arrêt la machine. Je vais voir est-ce qu'elle va reprendre juste après l'allumage de l'arrêt. J'allumote, bonjour. Est-ce que ça reprend ou là, ça ne reprend pas? Est-ce que c'est une configuration dure ou là souple? Alors, si elle est dure, elle n'affiche pas. Si elle est souple, elle affiche. Souple, mais regardez, elle persiste. Donc, c'est une erreur dure. Ça nécessite ça, réellement, un clear BIOS. Alors, je vais éteindre et nous allons effectuer l'opération de clear BIOS pour reprendre notre système. Alors, je suis en train de manipuler maintenant juste à côté de la pile, le clear BIOS. Voilà, j'ai manipulé le clear. Je vais essayer d'alimenter maintenant. Et bien, comme normalement, quitte le clear, le système ne va pas donner, il ne va pas s'alimenter parce que le clear empêche le boîtier d'alimentation de se lancer. Le clear maintenant, je vais reprendre la position normale. La position normale, normalement, le système Tana reprend. Allez-y, chaîne. Voilà, j'ouvre le message déjà reçu comme c'est le message d'erreur. C'est mon settings wrong. Maintenant, nous avons une erreur au niveau du BIOS. Et nous allons reprendre le BIOS. Allez-y, vous êtes prêts à et nous allons essayer de reprendre. Est-ce que c'est le standard qu'il faut refaire? Non. Est-ce que c'est le Advanced Setup qu'il faut refaire? Voilà, on va revoir Features. On a un droit au CPU. Allez-y, là il y a l'erreur qui est là. Donc, on a un sac à 66 et nous allons monter. Voilà, on va choisir le multiplicateur. On va augmenter le multiplicateur et non pas la fréquence FSB. Regardez le FSB à 66 MHz. On dirait un multiplicateur fort, ok? Là, on aura 633 MHz, ok? Et on va revenir sur Advanced Turbo. Qu'est-ce qu'il y a comme configuration qu'il faut reprendre? Oui. Même la date 3 là. Donc, on va reprendre la date. Voilà, on dit le F3 pour capter le disque dur et le CD-RAM. On voit déjà de l'autre côté le LBA, le bloc, le PO et le 32 bits. Pour le disque dur, je vous conseille de le mettre
32 bits en on, ça pour le CD-ROM, il y a off. Parce que le CD-ROM en réalité, il y a 16 bits, il y a 32 bits. Et chaque maintenant, on va reprendre, on va voir, yes, et on va voir le lancement de Titanium avec cette configuration. Tu as vu la date, c'est le temps parcouru par le Titanium depuis le lancement de Zara. Zara, tu as vu ça? Qui est pour le combat de la Alors, quand le master il est bad, quand le master tag il est bad, le smart, je suis bad à la hiwa, il est F1, vas-y, bizarre, je suis là, maintenant, entrez. Allez-y, je vais vous donner le temps pris par le démarrage. C'est un XP Titanium. Avec l'XP Titanium, c'est un soft plus rapide que les autres. Il est conçu pour les portables HPK, mais on a vu les ont une certaine rapidité meilleure que les autres XP. On va voir ce qu'est le temps de faire au bac. Il y a de la machine. Un peu de Hasbouer. C'est là, tu as dit le bureau. Voilà, là vous pouvez me donner combien? Une minute 66 secondes. Avec vous, c'est très grave pour une machine d'afficher le temps. Vous connaissez le meilleur temps qui a été affiché là, 17 secondes, mais ça pour un portable. J'ai eu une affaire avec un portable affiché là, il m'a affiché 15 secondes. Portable P4. Il m'a affiché 15 secondes. Donc 66 secondes, c'est lourd. Hein? Ça, si vous voulez, on va reprendre notre configuration du BIOS afin de diminuer le temps. Hein? L'exercice. L'exercice là, c'est autour du BIOS. Hein? On va accéder au BIOS ou on va essayer de faire des jonglages afin de tomber sur une vitesse meilleure. Je fais 66 secondes. Le temps, le premier temps. On va jouer sur la fréquence FSP. Allez, je vais le forcer une fois. On va aller jouer sur le FSP, on va aller le 133 MHz. On va voir est-ce que... Donnez le son. Voilà, les mêmes sont les mêmes pour 650. Voilà, regardez là, ce que je vais faire. Là, on va dans les 66. Tu veux faire 66. Le FSP, il dit 600. Ok. Maintenant, j'ai donné deux valeurs, hein, 66 et 100. Voilà, maintenant vous allez compter. Hein. Vous allez compter le temps, les ailes. Vous avez qu'un peu le temps. Ok, c'est lourd, hein, c'est lourd. Mais allez, je vais faire comme ça pour aider le choix. Je vais vous faire une pause, on va attaquer un deuxième BIOS et voir un film. Ouais.